Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle émission de notre web TV universitaire spéciale consacrée à l'économie sociale et, et solidaire, plus précisément. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent via notre chaîne YouTube. Bienvenue également à tous ceux également qui ont répondu présent et qui sont dans, le, dans les gradins. Nous abordons aujourd'hui une thématique qui est très importante pour, euh, pour le territoire et pour les entreprises, et notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de la thématique du, du financement. Alors, un chiffre, 64%. Alors, à quoi fait référence ce, ce, ce chiffre Eh bien, il y a une étude au niveau national qui a interrogé eh bien, les dirigeants de la, de, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et 64% d'entre eux ont identifié les problématiques de financement, la thématique de financement comme le principal frein, de développement eh bien, de leurs projets et du euh, changement d'échelle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé euh, eh d'inviter un certain nombre d'acteurs, euh, d'experts autour de cette, de cette table et notamment euh, dans le cadre de cette émission afin de croiser le regard, de partager les expertises, de partager les expériences euh, afin d'aboutir à une analyse critique. Euh, objectifs de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui pourrait être amélioré en termes de dynamique, en termes de dispositifs et en termes d'outils, et eh bien auprès des entreprises et sur, euh, sur le territoire. voilà une petite précision. nous sommes en direct et euh, les internautes qui nous suivent via notre chaîne youtube peuvent euh, bien évidemment euh, chatter et nous transmettre leurs euh, remarques ou leurs euh, questions afin de euh, d'enrichir nos, nos échanges et débats. Et tous ceux qui sont également là dans, dans, dans le public peuvent à tout moment prendre le micro et nous poser également un certain nombre de questions ou enrichir nos échanges avec vos, vos points de vue euh, également. Donc, avant de lancer la, la première séquence et la première session d'échanges et, et, et de débats, je vous invite à découvrir l'édito de cette émission. L'édito est une séquence qui a pour objectif, au regard des euh, recherches et des études qui sont menées au niveau national, mais également au niveau international, de tordre le cou sans être violent, bien évidemment, un certain nombre de vérités, de contre-vérités, de questions, de réponses qui reviennent régulièrement dans le cadre des recherches qui ont été menées. Il ne s'agit absolument pas de, euh, de présenter des réponses définitives, mais au contraire d'apporter de, des éléments de perspective, de réflexion afin d'ouvrir finalement euh, les échanges et nourrir les, les, les débats. La première question qui vient euh, régulièrement, qui ressort régulièrement, au sein des, euh, des études, c'est est-ce que les statuts de l'économie sociale et solidaire représentent des freins à l'obtention de financement Alors, à cette réponse, je ne vais pas trop mouiller finalement, à, à cette question, je vais répondre oui, non, et une solution intégrante. Oui, parce que, bien évidemment, les statuts, si on prend le, le, le cas des associations, les statuts euh, de l'économie sociale et solidaire peuvent... Euh, Effrayer euh, un certain nombre d'investisseurs. Euh, on est sur de la lucrativité limitée, de la non-lucrativité. On, on, on parle même de rentabilité, euh, de problèmes de rentabilité de la part des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et cela ça, ça peut véritablement freiner des investisseurs qui recherchent finalement un retour sur, sur investissement. Nous avons les statuts associatifs qui euh, euh, empêchent d'ouvrir les capitaux, le capital social parce que nous sommes sur des communs nous ne sommes pas sur de la propriété privée et euh, troisièmement nous avons cette logique de démocratie participative un homme une voix qui peut là aussi poser problème quand on est dans des logiques de prise de décision d'orientation des fonds donc oui mais également non puisque les statuts de l'économie sociale et solidaire et les statuts des, des organisations et des associations peuvent euh, offrir une certaine richesse en termes euh, d'obtention eh bien, de positionnement sur un modèle économique relativement varié et riche. Nous avons accès à des dons, du mécénat, euh, des cotisations, des adhésions. Nous pouvons également être sur de la marchandisation, de la commercialisation eh d'offres et de services, notamment. Donc, nous avons accès à un panel relativement riche euh, d'outils de, 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 de financement que n'ont pas d'autres euh, entreprises. Et. Troisième élément de, de, de réponse, euh, dans une période où nous parlons beaucoup de responsabilité sociale ou sociétale des organisations, où nous parlons de soutenabilité des organisations, euh, qui prônent euh, le fait que des entreprises pour, avoir, pour, être, pour bénéficier d'une meilleure performance, notamment économique et globale, devraient intégrer des éléments d'impact social. Et également sociétal, les financeurs ne devraient-ils pas finalement réorienter le filtre de leur analyse et partir plutôt sur de l'impact sociétal, environnemental et de la performance globale au lieu de rester sur une lecture de performance économique et de performance financière Alors on peut en outre rajouter d'autres éléments d'argumentation. Eh bien, on souvent, on, on est amené à dire que les entreprises de l'ESS sont moins rentables que des entreprises commerciales, des entreprises traditionnelles. Il faut savoir qu'aucune étude n'a été menée comparative n'a été menée là-dessus. Et je, je retiens juste deux chiffres taux de marge des coopératives, du coup relevant des statuts de l'économie sociale et solidaire, en moyenne 29 et taux de marge des entreprises hors économie sociale, 26%, 100. bien évidemment il s'agit d'affiner cela, mais euh, aucune étude comparative qui permettrait de dire que les entreprises de l'OSF sont moins rentables que les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous pouvons passer à la, à la deuxième question, récurrente de ces études, y a-t-il... Un besoin de financement des organisations de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, la loi 2014 est dans une logique inclusive, c'est-à-dire il s'agit de ramener au toit de, de, de la... L'appellation économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les entreprises qui, en termes de pratique et de valeurs, rejoignent la famille de l'économie sociale et solidaire. Mais cela est plus complexe que cela. Ces entreprises ont des statuts différents, ces entreprises ont des besoins différents, ces entreprises ont des fonctionnements différents, donc elles n'ont absolument pas les mêmes besoins de financement. Au-delà de cette diversité statutaire et de fonctionnement, il y a aussi la diversité eh bien, de, des stades de développement. Nous avons le lancement, nous avons le développement, le changement d'échelle, le retournement, la transmission. Donc dire qu'il y a un seul besoin de financement des entreprises de, de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est se tromper. Euh, et euh, c'est plus sensible et plus nuancé euh, que cela. Troisième et, et dernière question. Est-ce qu'il manque des solutions de financement sur, euh, sur le territoire euh, Bien évidemment, comme je viens de le dire, euh, nous n'avons pas toutes les solutions aux différentes étapes et aux différents statuts euh, relevant de l'économie sociale et solidaire, répondant aux différents besoins de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, nous n'avons pas eh bien, tous les outils que nous pouvons trouver eh bien, au niveau euh, du national. Mais nous ne sommes absolument pas dépourvus d'outils de financement de nos entreprises de l'ESS ou de droits communs sur le territoire. Mais néanmoins, il y a un certain effort à faire afin d'obtenir ou d'aboutir à une meilleure cartographie, visibilité. Oui, il faudra, il faudrait travailler sur... Euh, euh, Répondre à de nouveaux besoins, compenser des trous dans, dans, dans la raquette, mais euh, c'est là aussi il faut nuancer la réponse et il faut nuancer euh, ses positionnements. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de, de cet édito et euh, je vous invite à passer à la première session euh, d'échange. Cette première séquence va porter sur les constats et les problématiques liées au financement de l'accompagnement et au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est d'accueillir autour de la table un certain nombre d'acteurs stratégiques, structurants, qui vont nous apporter un regard et prendre un peu plus de hauteur sur cette thématique, cette problématique du financement de l'économie sociale et solidaire. Avant de leur passer la parole et de les présenter, je vous invite à découvrir les propos d'un représentant de la compagnie des commissaires aux comptes qui va nous partager eh bien, son expertise sur le financement des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de M. Jeannick Bédier. Nous avons fait le, le plaisir euh, d'être autour de cette table, et eh bien, madame Marie-Joëlle Roussel, qui est la responsable de la cellule ESS euh, dans la direction des affaires économiques au conseil euh, régional. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Monsieur euh, Stéphane Yabin, qui est euh, représentant de la fédération bancaire euh, française, et euh, monsieur Frédéric Annette, qui est administrateur de, de, de la CRES. D'ores et déjà, en écoutant monsieur euh, Janic Bédier, un certain nombre Nombre de, d'éléments euh, d'enseignement euh, sont, sont perceptibles. Il parle de, de développement de financement privé, euh, d'évolution des financements publics, moins de subventions, mais beaucoup plus de commandes publiques ou de, euh, ou, ou de marchés publics nécessité de développe, développer des, des, des fonds propres auprès des au sein des associations et euh, cette problématique quand même de marchandisation des activités commercialisation des activités des offres et eh bien euh, des structures de l'économie sociale et solidaire ma première question va euh, et pour la crèche finalement euh, frédéric que vous inspire que t'inspirent et eh bien euh, ces éléments et ces propos merci jérôme euh alors, première réaction, c'est déjà euh, de faire une distinction fondamentale entre euh, le modèle entreprise de l'économie sociale et association. Parce que M. Bédier l'a évoqué, euh, il a parlé beaucoup du, du modèle associatif, et on sait vrai qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de modèles euh, dans le champ associatif à travers la, les différentes filières, les secteurs d'activité, euh, les choix stratégiques qui sont faits aussi euh, par les membres, et aussi bah, les activités développées il révèle en fait euh, il met en évidence euh, le repositionnement des financements publics depuis une dizaine d'années c'est ce qu'on observe donc euh, on a vraiment euh, un, un, un dépassement de la commande publique par rapport aux subventions dans le modèle euh, financier associatif déjà la deuxième chose il parle de privatisation et de commercialisation qui se développe euh, à partir de là on peut mettre en évidence aussi quelque chose qu'on voit sur le terrain c'est que il euh, y a une participation des usagers qui est de plus en plus demandé dans beaucoup d'associations, et euh, ça se traduit forcément par aussi euh, une refonte et une adaptation de toute la logique associative derrière. Ça induit des questions de compétences, des questions euh, de stratégie, des questions de modèle économique, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, si on peut devoir retenir une tendance générale sur le modèle de financement euh, de l'économie sociale et solidaire pour les associations, c'est un mouvement et un changement permanent. Voilà, elles s'adaptent et elles font comme elles peuvent. Certaines arrivent pour les grosses à se structurer, et pour d'autres, les petites, c'est beaucoup plus compliqué, et ça soulève un certain nombre de questions qu'on va forcément aborder dans, dans les prochaines séquences. Merci pour, ces, pour ce partage, Frédéric. Euh, Stéphane, euh, en tant que représentant des banques, quel regard vous portez sur les problématiques de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire euh, Nous portons un regard forcément attentif. Alors Déjà, à la Réunion, on a une un marché euh, des banques, une organisation sectorielle des banques qui est assez atypique. Et l'ESS est également bien représenté au sein des banques présentes à la Réunion, hein, puisque euh, deux tiers euh, des banques aujourd'hui euh, sont issues de l'ESS. Euh, c'est le gros du marché. Euh, c'est une chance, je pense, pour le territoire, euh, puisque c'est représenté par euh, la, le crédit agricole, euh, les caisses d'épargne, euh, également la BRED, Banque Populaire. Donc on couvre une grosse partie du territoire euh, et donc nous faisons aussi partie de l'ESS <laughs> donc euh, le regard il ne peut être qu'attentif voilà. il peut être doublement attentif également lorsqu'on travaille sur un territoire comme la Réunion euh, puisque bah, imaginons un territoire sans l'ESS à la Réunion euh, on serait peu de choses ben, on serait peu de choses euh, si on note les sociétés commerciales qui font partie de l'ESS euh, c'est déjà un paquet d'emplois alors Frédéric nous l'appellera mais qui, qui disparaîtrait et sans le tissu associatif euh, qui répond à des problématiques que les entreprises, auxquelles les entreprises privées ne répondent pas, euh, la réunion sera en grosse difficulté. Voilà, donc on, on donne parfois euh, des, des, des exemples courants de la vie courante. Euh, C'est vrai que le SS est très présente et a des réponses abordées par exemple pour la petite enfance, euh, pour l'accompagnement des personnes âgées. C'est des sujets où, où l'ESS. Donc euh, aujourd'hui, euh, s'intéresser au financement de, de, de l'ESS pour euh, des banques euh, de territoire comme, le, comme les nôtres, euh, c'est fondamental. Voilà. Les questions qu'on peut se poser, euh, mais ça a été évoqué aussi par, euh, par Frédéric et également par euh, M. Bédier, euh, c'est de dire c'est -ce un, un peu vieux comme l'économie sociale et solidaire, c'est est-ce qu'on doit différencier le financement de l'ESS des entreprises classiques Tout à voilà. fait. Euh, nous, Pour l'instant, euh, sur le secteur bancaire, il n'y a pas trop de différence. Voilà, C'est peut-être là que le bas blesse. Et yeah. On va le voir <laughs> sur, le, sur, sur, le, sur les associations notamment. On distingue à peu près ce qui est association du reste. Voilà. Euh, on se dit que tout ce qui est mutuel, entreprise commerciale, euh, scope bien structuré, finalement, toutes les solutions qu'on a pour les financements d'entreprises classiques sont plutôt bien adaptées. Voilà, ce n'est pas trop une difficulté. En revanche, euh, pour les jeunes entreprises en création, euh, pour le tissu associatif euh, qui font preuve assez d'instabilité, euh, les réponses euh, du modèle classique bancaire euh, ne sont, sont pas évidentes à, à mettre sur la table. Voilà. Donc après, on peut rentrer un petit peu dans le, dans le détail, mais c'est vrai que pour financer une entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui, euh, l'investisseur ou le partenaire bancaire va avoir besoin d'un peu de visibilité. Euh, alors sur le court terme, mais également sur le moyen terme, pour se dire si je prête, euh, quelles sont mes, euh, mes chances relatives de, de retour et, et sur une durée un peu longue. Et aujourd'hui, en changeant les systèmes de financement euh, de l'ESS euh, assez euh, couramment, euh, ça crée pas mal d'instabilité. Merci. Euh, le financement, finalement, comme vous venez de le dire, c'est une rencontre. Entre un financeur et un porteur de projet, quelles sont les lacunes de part et d'autre qui empêcheraient finalement cette rencontre d'aboutir Avant de parler des lacunes, il y a quand même des choses qui se font bien. Après, la principale difficulté sur sur le tissu associé ou sur les entreprises qui dépendent des financements publics, on va dire, c'est la première lacune aujourd'hui sur lequel on a du mal à apporter des réponses. On parlait tout à l'heure de façon tout à fait concrète de subventions. Euh, Aujourd'hui, euh, les entreprises de l'ESS peuvent venir voir leurs banquiers pour euh, faire le relais sur le financement de la subvention euh, qui en passe est obtenue. Euh, C'est parfois difficile à financer, euh, puisque parfois les délais euh, sont, sont pas respectés. Euh, et on se retrouve avec des situations de trésorerie euh, difficiles. Alors, quand bien même euh, la banque finance, euh, si vous devez attendre un an ou deux ans pour toucher votre subvention, euh, vous n'avez pas le... Les reins assez solides, même pour faire face aux frais financiers euh, de, de ce sujet. Euh, et puis, euh, là, je crois qu'on se rejoint avec les associations. Il y a pas mal de difficultés de tout, avec toutes les associations qui dépendent des entreprises de la tarification publique. Euh, certaines nous disent être en difficulté aujourd'hui pour investir lorsque leur modèle est simplement basé sur la tarification publique. Euh, on te dit, entre guillemets, de euh, enfin, la tarification à l'acte. Voilà, mmh. Vous allez faire telle prestation et en face, je vais vous financer ça. Euh, et on dit tout à l'heure qu'il y a besoin de dégager un peu de rentabilité euh, pour que l'association puisse investir et, et se projeter à moyen terme. Et cette tarification publique ne prend pas du tout ça en compte. C'est-à-dire qu'on dit Ok, tu fais cette presta, euh, voilà, on va te la, te la subventionner en partie et tu euh, vas t'en sortir. En revanche, pour mettre un peu d'argent de, de côté pour pouvoir investir, faire des fonds propres et puis se projeter pour avoir la capacité de remboursement sur des emprunts un peu plus longs, euh, ce système n'est pas forcément adapté. Voilà. Donc des délais assez longs de subvention, euh, des incertitudes sur euh, comment je finance mon court terme. Euh, en face, en tant que financeur, on est parfois un peu dépourvu. Enfin, euh, ensuite, le dialogue. Euh, pour répondre à votre question plus précisément, là, je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Euh, <laughs> euh, mais la Crèce y travaille. Tout le monde, il y a beaucoup aujourd'hui de, de tiers de confiance sur ces secteurs qui peuvent nous apporter beaucoup. Euh, les dirigeants euh, de l'économie sociale et solidaire euh, n'ont pas forcément, au départ c'est pas leur truc euh, la culture financière euh, de l'investissement, euh, il me faut des fonds propres et pourquoi euh, gagner de l'argent parce que finalement c'est, euh, moi je suis en train de, euh, de, de développer plutôt un sujet social sur un secteur mais euh, je, bah, hein, donc la culture financière pour pouvoir euh, parler du langage c'est un peu comme si vous alliez euh, euh, dans un territoire étranger et que vous connaissez pas du tout un mot du... Alors, soit vous venez avec votre traducteur, qui peut être la cresse, hein, pour euh, <laughs> les non, euh, qui, qui fait l'intermédiaire et qui va expliquer aux banquiers ben, cette association, je la connais bien, euh, sincèrement, les valeurs qu'ils défendent, etc. Euh, l'engagement humain, euh, le militantisme des gens de l'association, franchement, euh, ils peuvent se planter, c'est autorisé, mais vu l'engagement qu'ils ont, vous pouvez y aller. Euh, et puis, nous, nous, nous traduire également, à nous, banquiers, euh, le langage de l'ESS, où parfois, on n'arrive pas bien à comprendre. Voilà, nous, on se dit. Euh, on finance une subvention sur euh, six mois. Euh, on a le papier, on a le tampon. Au bout de six mois, ça doit être payé. Bon, bah, parfois, c'est pas comme ça que ça se passe, même très souvent, malheureusement. <laughs> donc, euh, la grèce peut nous expliquer que euh, c'est pas normal finalement. Euh, voilà, on peut appeler euh, les instances euh, publiques euh, qui sont liées à cette pour nous expliquer et, et nous rassurer. Voilà, donc. Euh, euh, le dialogue, il, il doit avancer dans ce sens-là, mais avec les tiers de confiance, je pense que c'est des, des belles opportunités qu'on a sur le territoire. Euh, dans la continuité de ce que vous venez de dire, euh, en tant que représentant des, des, des banques, que pensez-vous de l'implantation, notamment à, à La Réunion, d'établissements bancaires qui seraient spécialisés en économie sociale et, et solidaire, comme on pourrait le retrouver au niveau national Aujourd'hui, le, le, je pense pas que sur les réseaux traditionnels, il euh, y, y a un manque. Voilà, alors bien sûr, il y a une banque qui est spécialisée dans, dans le financement de l'ESS qui s'appelle Crédit Coopératif, voilà, mais qui est représentée ici par deux groupes bancaires qui font partie du même groupe, Caisse d'épargne et puis euh, Bred. Euh, les banques aujourd'hui, si vous leur amenez un dossier de relais sur subvention, euh, s'ils comprennent bien et si le dossier est bien fixé, ils vont vous le faire, hein, dans le court terme. Euh, la, le, le, le manque, à mon avis, qu'il y a sur le territoire, c'est plus au niveau de la BPI. Euh, Aujourd'hui, il y a une offre BPI qui a été développée euh, en 2014 ou en 2011 sur le territoire national, 2014, ouais, euh, spécifique pour l'ESS, euh, qui aujourd'hui n'est pas particulièrement diffusée sur le territoire. Voilà, on, le, la position de la BPI, euh, mais qui peut évoluer, et puis on est là pour la faire évoluer, euh, Et plutôt de dire bon, bah, il y a une offre généraliste qui couvre de la création et, et les entreprises de l'ESS peuvent s'y retrouver. Voilà, mais je pense qu'ils ont des réponses à apporter au tissu associatif. Euh, que l'État a prévu au dispositif, euh, et c'est plutôt à euh, le faire. Ouais. Après, il y a des dispositifs qu qui sont plus forts ici qu'au niveau national, c'est aussi bien de se le dire. Euh, je pense qu en création euh, et accompagnement de jeunes entrepreneurs, il euh, y a des dispositifs euh, comme, euh, je ne sais pas par exemple, l'ADI, euh, qui accompagne très fortement les créateurs d'entreprises. Euh, nous banques on finance l'Adi qui eux financent les entrepreneurs ça c'est des dossiers qui prennent un peu plus de temps en accompagnement donc on le finance en indirect euh, mais l'Adi bien sûr on le trouve sur plein de territoires mais le travail qu'ils font à la Réunion euh, ou sur d'autres territoires de l'Océan Indien comme Mayotte par exemple euh, je pense que c'est mieux fait il euh, y a plus de dossiers financés euh, que sur le national voilà il y a réunion active il y a euh, des dispositifs ici qui sont euh, plutôt performants voilà. donc ce qui manque alors, peut-être un crédit coopératif, mais je pense qu'il ne faut pas fantasmer là-dessus, parce que ça ne va pas changer grand-chose, à mon avis, <laughs> sur l'offre. Et certainement la BPI euh, qui, qui pourrait aider un peu plus le secteur associatif. Mais comme les TPE ou les PME aussi, hein, qui, se, qui se disent euh, la BPI, on aimerait bien le voir sur les sociétés un peu plus fragiles, où il manque un peu de fonds propres, où le métier du banquier classique, c'est plus difficile à faire. On aimerait bien euh, bénéficier de garanties que nous, en tant qu'association, on ne peut pas donner. On n'a pas, pas forcément d'actifs donnables en garantie dans nos associations. On n'a pas forcément de patrimoine à, de, à conférer à la banque comme dans l'entreprise classique. Euh, donc, on aimerait bien avoir recours à une garantie publique euh, qui aille garantir les banques qui prennent le risque de financement. Merci pour ces éléments de, de précision, Stéphane. Euh, marie, marie Joël euh, la, la région... À poids compétence, finalement, le développement économique du, du territoire, de notre territoire. Quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans ce schéma de développement Alors, avec, la, avec la loi NOTRE, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, les collectivités régionales se sont vues confier la responsabilité ou la compétence du développement économique et des aides associées. À ce titre, euh, la région Réunion s'est dotée de son schéma régional de développement économique euh, de l'internationalisation et de l'innovation, donc le SRDE2I. Et dans ce document qui a été rédigé et qui est validé maintenant depuis mars 2017 par M. le préfet, il est clairement précisé euh, que le second objectif du, de ce schéma est de préserver et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. En stimulant l'ESS et l'innovation sociale. Alors, dans le cadre de ce schéma et de sa gouvernance, ont été mis en place un certain nombre d'ateliers thématiques euh, qui avaient essentiellement pour objectif d'identifier les défis, les enjeux, les problématiques de l'ESS sur le territoire réunionnais, d'y apporter un certain nombre de réponses et également de proposer des projets structurants pour le territoire alors parmi euh, ces ateliers qui ont été mis en place on en a mis quatre. L'un d'entre eux portait plus spécifiquement justement sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Donc comme vous pouvez le constater, l'ESS n'a pas été oublié dans ce schéma régional et tient une place tout aussi importante que l'économie dite classique. Et ça me permet de rebondir. Quel est votre regard sur les problématiques structurantes liées au financement des entreprises de l'ESS alors, concernant les, les problématiques, on, on en rencontre un, un certain nombre. Euh, il est vrai que euh, l'économie sociale et solidaire euh, est, un, est, est, est extrêmement créative et, j'ai envie de dire, crée des modèles ou euh, des, des organisations euh, nouvelles très régulièrement. Et les outils qui vont être utilisés aujourd'hui ne seront peut-être pas les outils nécessaires demain. Il faut à chaque fois euh, adapter les financements aux outils spécifiques qui sont mis en place dans le cadre de l'ESS et euh, ce financement il doit être travaillé il doit être réfléchi il faut d'abord voir si les outils proposés correspondent bien à, aux besoins du territoire et tout ce travail euh, nécessite du temps euh, l'autre l'autre difficulté donc en fait ce que je voulais dire c'est que voilà, il faut, va falloir en permanence réadapter les outils. Si certains sont là depuis un certain temps, euh, à l'inverse, il faut en permanence en créer de nouveaux. Euh, L'autre difficulté qui peut être rencontrée euh, se situe au niveau de la formation euh, des, des personnes, et notamment particulièrement dans le, dans le domaine associatif. Euh, lorsque les structures demandent euh, des financements, les dossiers rendus... Euh, comme ils sont souvent montés par des personnes bénévoles, des personnes qui viennent donner de leur temps certes, mais qui n'ont pas forcément la formation adéquate, les attendus, euh, du moins les dossiers rendus, ne collent pas forcément aux attendus et euh, ce qui peut entraîner euh, des, des retards, des, des, des délais plus longs dans le traitement de ces dossiers, ou peuvent parfois aussi simplement faire qu'un dossier n'est pas financé. Merci pour, pour ces éléments. Je sais qu'il y a eu une étude qui a été menée il y a, il y a deux ans de cela, euh, commanditée par la région, par l'État et également par la Caisse des dépôts et des, des consignations. Qui a été, cette étude a été pilotée euh, par, par, par la CRES. Euh, quels sont les résultats, quelles sont les conclusions de, de cette étude, Frédéric alors, c'est vrai que cette étude, ça fait écho à, à ce que tu avais dit au départ, c'est qu'il y a très peu de recherches, euh, d'analyses faites sur le financement de l'économie sociale et solidaire, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue concret, terrain, offre. Et euh, l'idée, c'était euh, de dresser un petit état des lieux euh, sur euh, l'ensemble des offres existantes sur l'économie sociale et solidaire à La Réunion, et de voir un petit peu les dynamiques qui étaient en cours pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Et euh, je dirais que l'étude conclut un certain nombre d'axes de, de travail à mener, notamment sur la partie entrepreneuriale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, bah, y avait une forte créativité, comme le, le souligne Marie-Joël, sur l'économie sociale et solidaire, et que derrière, bah, il n'y a pas forcément tous les euh, outils de financement qui permettent de soutenir notamment un certain nombre de projets qu'on peut qualifier de complexes, euh, puisqu'il y a parfois une forte ingénierie financière, parfois il y a aussi euh, voilà, des modèles et des investissements assez lourds. Et il y a aussi euh, la, no la question de l'innovation sociale qui n'est pas du tout euh, prise en compte aujourd'hui et qui, par nature, est qualifiée de risquée. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc, cette étude conclut justement à euh, la nécessité euh, de faire en sorte que tous les acteurs du territoire puissent travailler sur une forme de parcours d'accompagnement et de financement. <coughs> parce qu'on s'est rendu compte aussi que la clé, c'était euh, l'écosystème entre l'accompagnement et le financement sur le territoire qui était une des clés pour pouvoir jouer le rôle de levier sur les financements des projets sur le territoire, tout simplement. Okay. Merci pour, pour ces éléments succincts de, de, de conclusion liés à cette, à cette étude. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir échangé, partagé votre expertise et d'avoir enrichi notre regard sur la structuration, euh, sur l'approche stratégique liée au financement de, des entreprises de l'économie sociale et, et, et solidaire. Comme vous l'avez compris, l'objectif finalement, c'est de créer ces espaces d'échange, de partage entre les différents acteurs qui peuvent détenir une réalité, une certaine vérité, et qui peuvent, qui peut leur être propre concernant cette, cette thématique. Ce n'est pas la première fois où on a essayé de, 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 de se faire rencontrer ou de faire rencontrer un certain nombre d'acteurs d'horizons différents. Il y a déjà eu, durant le mois de l'ESS, eh un atelier, une veste ESS, qui a été proposée par un certain nombre d'acteurs, l'IAE, les banques, mais également la, la CRESS. Je vous invite de découvrir un petit reportage qui a couvert finalement cette, ce moment d'échange. Merci à vous tous. Je vous invite à passer à la séquence 2 de nos échanges qui s'intitule ⁇ Entreprendre dans l'ESS du battant à la montée en compétences ⁇ C'est une séquence qui va être découpée en deux sous-parties. La première partie va être consacrée eh bien, au battant ou au parcours du combattant euh, concernant la création d'activités ou la création d'entreprises dans le domaine de l'économie euh, sociale et solidaire bien évidemment avec en filigrane cette problématique cette thématique du financement euh, de ces entreprises quel que soit le niveau de, de développement de, de, de ces dernières et la deuxième sous-section portera et bien évidemment sur les compétences c'est-à-dire pour développer de nouveaux modèles économiques pour maîtriser et eh bien ces dispositifs et ces schémas de, de financement il faut et eh bien avoir avoir les moyennes de ses ambitions et monter euh, également euh, en, en compétences. Avant de vous présenter les personnes, les établissements qui ont répondu favorablement à notre invitation pour partager leur vision et leur regard, je vous invite à prendre connaissance là aussi d'une petite vidéo qui nous présente la plateforme qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui s'est montée sur un montage financier en lien ou qui relève de l'hybridation des ressources. Nous ont rejoint au toit de la table des financeurs, euh, en la personne de Mathieu Fontaine, créateur de la plateforme euh, POC POC. Euh, Madame euh, Margaret Torpos et de la fondation du Crédit Agricole euh, Réunion Mayotte. Il y a également des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Euh, Coop représentée par euh, Gilles Boisgin, le directeur adjoint chargé de développement et Jean-Hugues Grondin, le PDG de la euh, Scopad. Et il y a également des euh, accompagnateurs. Eh bien, euh, France Active Réunion, représentée par son directeur adjoint, Régis Sionandan, et euh, Gilles, qui est également accompagnateur, puisque euh, représentant la coopérative d'activité euh, et d'emploi. Merci à tous euh, d'avoir répondu favorablement à, à, à notre invitation. Euh, ma première question est, est pour toi, Jean-Hugues. Jean euh, quel est ton regard sur le parcours de la création d'activités euh, dans l'économie sociale et solidaire, toi qui a été euh, et qui est entrepreneur social et solidaire Alors, <laughs> le regard à travers l'expérience qu'on a vécue au niveau de la, de la coopérative, qui là au mois d'août va fêter ses, ses 10 ans. C'est vrai, dans ce que disait le, le petit reportage de tout à l'heure, comme tout porteur de projet à l'origine, on se heurte à ce gros problème de financement. On a les idées, on a probablement les compétences, et après il faut arriver à amalguer avec les besoins du marché ou les charges qui vont tomber ou qui vont arriver assez rapidement, et trouver des financements. Je pense que tout porteur de projet doit se conforter à cette, cette idée-là. Ce, 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 ce dilemme, comment trouver des financements pour pérenniser et monter en puissance. Je parlerai peut-être plus tard dans la conversation des compétences, mmh. parce que quand, des fois, quand on lance comme ça, on a une bonne idée, mais c'est à l'épreuve du feu qu'on va voir si on a vraiment les compétences pour y aller ou s'il faut se faire entourer et accompagner. Et petit à petit, essayer de faire grandir son, son entreprise. Depuis la dizaine d'années où la Scopad a été créée, où nous avons mis le pied de, de plein pied, mais en entre tant qu'entrepreneuse qu aussi. Dans l'ESS et ma participation à la CRESS, à d'autres organismes comme ça, il y a un certain élan, il y a un certain essor sur les entreprises qui se créent dans notre milieu de l'économie sociale et solidaire. Avec, j'espère parfois, beaucoup de réussite, parfois aussi c'est un peu long. La dame parlait d'un délai de 3-4 ans avant de pouvoir lancer réellement son entreprise et de se ressentir les bénéfices. C'est vrai aussi. Et en même temps, il y a aussi un engouement qui fait que l'ESS aujourd'hui est un vrai vivier de porteurs de projets et de réalisations qui, qui tiennent la route et qui serait bon effectivement d'avoir peut-être, ça a été souligné aussi, un regard peut-être un peu particulier sur ces financements. Euh, juste pour revenir à, à ton expérience à la à Scopad, aujourd'hui la Scopad c'est une belle entreprise de l'économie sociale et, et, et solidaire. Je le disais dans, dans l'édito que les besoins en financement étaient différents en fonction des étapes de développement. La a connu pas mal d'étapes de, 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 de développement avec de l'ambition. Est-ce euh, que tu peux nous dire un, un petit mot sur les différents besoins euh, qui vous ont, que vous avez connus c'est la solution que tu as pu trouver voilà, Peut-être plus les solutions parce que le, les, les besoins, dès qu'on crée une affaire, on a besoin de financement. On, et même si on va apporter un peu, un peu de capital, un peu de, de fonds propres au départ, on aura toujours besoin d'avoir recours à des financements tant que l'exploitation elle-même n'est pas en, en autosuffisance. On ne s'autofinance pas comme ça. Ça a été pareil pour la Scopad. Nous avons eu une expérience à 12 porteurs de projets qui sont mis autour de la table. Ces 12 personnes étaient au chômage, donc ça nous a permis, de, à travers à l'époque, l'accompagnement de réunion active, d'avoir le, le NAC, l'ACTE, d'avoir des financements à ce niveau-là, de permettre aussi à un comité, un pool bancaire, de nous donner un coup de main. En, par contre, il y a eu l'engagement ferme aussi de 10 de mes associés, qui eux-mêmes ont fait des emprunts, qui se sont engagés à rembourser. En, à côté de cela, les. Les associés fondateurs ont fait des, des efforts en apport en capital complémentaire, en apport en compte courant. Il y en a qui n'ont pas pris de salaire, ils n'ont pas pris des charges pour permettre à la structure de passer. Ça a duré à peu près trois ans, ce besoin de financement où on était ricrac tous les fins de mois, il fallait calculer pour pouvoir passer les charges et les salaires. L'entreprise grandissante, le flux de trésorerie, le besoin de fonds de roulement, s'était couvert par, par elle-même. Aujourd'hui, je peux. Donner du temps, par exemple, pour aider certaines petites entreprises, certains projets, parce que je sais que derrière la situation de l'entreprise fait que le volume qu'on a atteint aujourd'hui permet de, de travailler et de voir, parce que j'ai vu sur le déroulé, on va parler innovation, on va parler montée en compétences, on va parler formation, c'est des postes qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et quand on ne peut pas, comme ça, mobiliser de la trésorerie pour y aller, ça devient des parfois pénible. Mais sinon, c'est une très belle aventure. Merci Jean-Hugues. Je, me, je me tourne vers les acteurs de, de l'accompagnement, Gilles et, et, et Régis. À votre niveau, quels sont les, les plus gros besoins de, de, de financement des entreprises de, de l'économie sociale et, et solidaire Régis Merci. Euh, je reviens à tout ce qui a été dit aujourd'hui euh, sur le, le fait de d'inclure l'économie sociale et solidaire dans l'économie et du coup il euh, y a bien des spécificités mais on va retrouver des difficultés euh, qui peuvent être similaires. On dira toujours que la trésorerie c'est le nerf de la guerre. Et donc pour moi c'est euh, c'est souvent la problématique de la trésorerie, comment trouver des solutions pour la trésorerie et comment bien calculer sa trésorerie. Après on a des besoins divers euh, d'investissement euh, pour l'aménagement ou autre euh, mais voilà, pour moi c'est euh, la trésorerie qui reste euh, quand même importante. Merci. Ah, si. Gilles, je sais que de votre côté, de ton côté, coopérative d'activité et d'emploi, vous vous adressez à une catégorie d'entrepreneurs particuliers. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à cet égard je, je juste revenir sur l'économie sociale et solidaire, un constat. Je pense aussi que l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on arrive à séparer ce qui est social et de l'économique et, et le, bien le distinguer. Parce que je pense qu'à ce moment-là, parce que l'économie sociale et solidaire est parfois plus rentable que l'économie classique et plus compétitive. Donc cette économie sociale et solidaire peut venir en aide dans ce cadre-là au social. C'est-à-dire, si on casse les codes, à rester enfermé dans un code, oui, il y a un problème. Sauf que moi j'ai des cas, on travaille sur des projets actuellement, où notre business plan est plus intéressant sur certains sujets où l'économie classique ne passe pas à La Réunion, il passe dans l'économie sociale et solidaire. D'accord Parce qu'on n'a pas de structuration, y a pas de, on ne fait pas de bénéfices, on est dans l'économie de partage, on va mutualiser les moyens techniques, etc. Donc, déjà, pour répondre aux contraintes des banques et des financiers, c'est un premier élément, ce qui nous évite de leur demander de tordre leur système où c'est très compliqué. D'accord C'est peut-être de pointer nos indicateurs euh, qui correspondent à ce qu'ils attendent. Et ce qui permettrait, moi, je suis en train de travailler sur un projet justement où on va mixer, c'est-à-dire que l'économique, ce qu'on permet d'économiser, va permettre de l'autre côté d'apporter un soutien social. Voilà. Tout ce que, oui. et, et pour ça, il faut casser les codes. Moi j'appelle ça casser les codes, Quels sont les codes. Est-ce qu'on est qu met du financier Est-ce qu'on met du troc Est-ce que je mets. Voilà, on met tout ça. Mais il faut, que, il faut que ça ramène de la rentabilité de l'autre côté. Hein, il faut malgré tout, on peut raconter tout ce qu'on veut, l'argent à un moment donné il rentre, il faut le rembourser premier élément. Donc concernant la coopérative, nous notre problématique est plus dans les investissements. Mmh. Aujourd'hui, une coopérative, comme la plupart des, des structures, on a été financé, c'est le, 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 la structure centrale qui a été financée. D'accord. Ce qui a posé un problème à la coopérative pendant un certain temps, puisque impossible de faire les investissements par rapport aux entretiens des salariés. Alors, on a cassé ce code il y a trois ans, euh, c'est-à-dire qu'on a décidé que la coopérative va chercher aussi ses contrats. Donc elle fait le business, elle remonte et elle redescend, elle ne fait pas de rentabilité, par contre elle redescend l'activité, ce qui nous permet de financer et ce qui nous a permis aussi de trouver de l'investissement au passage. À dire voilà Ce que je viens de dire, on a nous-mêmes cassé nos propres codes euh, finalement pour dire on ne va pas rester comme ça à attendre euh, voilà, que, quel financement va arriver de tel endroit ou de tel endroit. Euh, C'est de se dire non, non, euh, comment on fait nous euh, et, et juste donner un chiffre, on est passé de près de 90% dépendants de l'FSE, je crois qu'on doit être à 30%. Et on a fait une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 40% l'année dernière, d'accord. Donc un changement radical dans son dans son positionnement. Là, on discutait ce matin. On lance de très gros projets, avec de gros investissements. On fait plus de 150 000 euros d'investissement. Voilà, euh, appuyé derrière par les des <coughs> fonds européens, par les fonds propres de la coopérative, pour pouvoir développer. Hein, pour rien cacher, on va lancer un grand projet de mode à La Réunion, tout tout fabriquer à La Réunion. Et donc on démontre par cette économie de partage. Effectivement, c'est possible. D'accord, et euh, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, basé sur deux grands axes en fait, hein, le partage des richesses, le partage des risques, il n'y a pas de sous traitant. D'accord, tout le monde partage, on vend un produit à temps, comment on le partage, et, à quel, et, et de quelle manière. Et de l'autre côté, il n'y a pas de propriétaire de matériel. La propriété, c'est une, une coopérative et on mutualise les achats. Je pense que voilà, et, et derrière encore d'autres choses, mais voilà, je voulais insister là dessus ce soir en fait, sur vraiment cet aspect le modèle économique, économie sociale et solidaire, elle est compétitive. Voilà, dans, dans, à la réunion. Du coup, la, 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 la fin de ton propos m'inspire une, une nouvelle question et plus précisément à, à nos deux dirigeants de, de, de coopératives. Est-ce que le fait d'être dans une logique euh, collective en termes de prise de décision, en termes de fonctionnement, c'est un atout concernant la gestion et la recherche de financement bah, Nous, nous concernons pour l'instant, <laughs> bah, même si de plus en plus en fait d'entrepreneurs de, salariés passent. En associé, hein, puisque c'est au bout de trois ans, oui, le collectif peut être un avantage. Mais comme je le répète, hein, le, le problème n'est pas à ce niveau-là, en fait. Le problème, c'est dans le modèle économique. Vraiment, euh, il faut. Bah, par exemple, je disais la dernière fois, il faudrait créer un, un, une structure économique, non pas de créer de nouveaux outils, mais comment modéliser, d'accord, pour que ça corresponde aux besoins, aux financements qui existent. Comment je casse les codes, justement, pour aider les entreprises à casser ces modèles Je, je donne un exemple oui. tout simple, en fait. Hein, vous, a, vous allez comprendre. Euh, J'ai un gars, qui vient me voir, il me dit, voilà, je veux faire chasseur de tête ma, pour recrutement. Hein. Euh, simplement, moi, je suis jeune, les entreprises ne veulent pas de moi. Je lui dis, mais c'est quoi ton objectif Est-ce que ton objectif est le même que d'avoir un grand cabinet dans le 16e arrondissement euh, avec le marbre qui rentre et donc je facture 18 000 euros pour recruter quelqu'un Non, c'est quoi C'est d'avoir un salaire. Ouais, ok, prends ton salaire, divise par le nombre de clients que tu peux traiter, tu vas être six fois moins cher. Alors, on casse les codes. On va, on vient, on casse les codes. Cherche, cherche des codes qui te permettent de... De, 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 et et l'outil de l'économie sociale et solidaire, je vous assure, il oui. y a vraiment plein de choses à l'intérieur qui est plus compétitive que l'économie classique. Et je, je le dis haut et fort. Hein. Aujourd'hui, je suis face à eux, pour être très clair. Et je, on a officiellement, on, on a décidé d'attaquer le marché avec cette économie. Voilà. Et donc, je dis oui. Il y a des outils et c'est possible. Voilà. Mais dans cette question, et ce point très important, c'est malgré tout derrière le social. La discussion que j'ai aujourd'hui, par exemple, sur les personnes âgées, comment cette économie, je permets par exemple à des bailleurs sociaux à économiser sur les petits travaux, comment cette partie d'argent n'est pas réutilisée, mais reversée pour les, pour le, les personnes âgées, pour qu'ils restent dans le. Donc c'est ce partage. Et donc d'un côté, l'économique ramène le, le soutien social de l'autre côté. On ne peut pas mettre un projet 100% social sur la table d'un banquier, c'est juste pas possible. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Bien évidemment. Voilà. On peut le faire sauf s'il y a une partie d'argent qui arrive derrière avec le social. Et là, et là où tu as raison, c'est de pouvoir dire que l'argent doit être un moyen, mais ne doit pas être une fin. C'est ce que tu disais quand tout à l'heure. C'est sûr que si je, veux, je voulais tout de suite avoir les locaux de la Scopade comme ceux d'une banque ou d'une grande institution sur Saint-Denis, ben je ne serais pas là aujourd'hui parce que le, le peu d'argent que j'aurais fait en chiffre d'affaires serait passé ben dans mes charges. Donc on a préféré mutualiser, essayer de, de gratter là où on pouvait gratter pour faire des économies. Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi ou... Euh, ton prénom m'échappe du coup. Régis. Régis, qui, qui parlait de structuration. voyez de quel, quel est le but de, de coopérative Quel est le but d'une entreprise dans le SS Bien sûr, il y a le mot économie. Et on en a besoin si on veut grandir, sinon on ne passera pas. La solidarité. Donc quel effort on est capable de mettre en commun oui. Qu'est-ce qu'on recherche Le but c'est comme Nous aussi, c'est cette question qu'on a posée en premier. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir retravailler, avoir un salaire. C'était pas gagner de l'argent d'un premier temps. Donc, c'était poser ces, ces extrêmes-là. Et en plus, le, le social. Bon, pour moi, par mon champ d'activité, je suis dans le social. Maintenant, comment ce champ d'activité on peut le décliner, ou à travers des émissions comme celle-ci, ou à travers mon personnel, ou à travers mes bénéficiaires. Quelle est notre approche du social dans notre économie? Comment on se sert de notre économie pour apporter le service qu'on veut rendre à nos bénéficiaires? Donc c'est cet amalgame là qui fait que quelque part on est dans l'économie sociale et solidaire. Mais le E de l'économie, il est là, il est, il est présent, quoi. Il, faut, il faut en tenir compte. Merci, Merci Jean-Ric. Je me tourne vers, vers Mathieu Fontaine. Euh, quelle est la place aujourd'hui des plateformes de financement solidaire dans la cartographie de, de, du financement des entreprises Peut-être juste pour préciser, en fait, tu, tu m'as présenté tout à l'heure en, en, en disant que j'étais financeur, mais en fait, il, je préfère préciser en fait que POC-POC, c'est -Poc, euh, plus une plateforme d'intermédiation, c'est-à-dire mmh. qu'on va mettre en relation les donateurs et les porteurs de projets. Donc en fait, nous, POC-POC, on ne finance pas, mmh. mais par contre, on facilite, on crée les conditions euh, pour que euh, la population... Euh, les, euh, les supporteurs, enfin voilà, tout le monde qui a envie de contribuer bah, puisse euh, participer à l'économie finalement de la Réunion. Donc euh, ils, vont, ils auront la possibilité de soutenir des projets impactants pour le territoire. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui sur POC POC, euh, l'idée li, li, en fait c'est c'est d'aider les porteurs de projets euh, qui veulent créer un impact euh, durable. Euh, et, de, et de faire ça grâce à la masse, grâce à la population et grâce à, au soutien. C'est vrai que dans économie sociale et solidaire, il y a social, il y a solidaire, euh, et, et, et l'ESS en fait nous invite à réinventer les modèles économiques et les modèles de financement en s'appuyant sur, euh, sur cette force qu'on a en fait en privilégiant les interactions humaines. Euh, en privilégiant le participatif, en en sorte que ben, les gens en fait euh, contribuent, euh, en, en privilégiant la collaboration, euh, donc euh, voilà en privilégiant l'humain, la solidarité, euh, donc plein de valeurs humaines. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. <laughs> oui, oui. Alors ma question avait aussi euh un autre objectif, c'est de positionner le crowdfunding sur la cartographie, parce qu'au niveau national, j'ai pu voir que certaines banques avaient structuré des partenariats officiels avec des plateformes de financement solidaire et leur avaient délégué des fonds d'amorçage d'une certaine enveloppe. Euh, et la gestion de ces, ces fonds pour les attribuer, du coup, euh, au regard de vos spécificités, à des, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Bah, effectivement, ça prend de plus en plus de place parce qu'on se, se rend compte en fait que ça a, ça a de l'impact en fait et ça, ça a de la valeur euh, que de, de pouvoir en fait solliciter toute la population pour soutenir une idée, pour soutenir un projet. Euh, donc oui, effectivement, les banques s'intéressent beaucoup à ça parce que c'est un mode de financement alternatif. Mmh. Euh, qui s'appuie sur la, la population, euh, qui s'appuie sur la solidarité des gens. Euh, et du coup, moi, je, parfois, en fait, je rêve d'un monde où on ne parle plus de SS, puisqu'en fait, bah, toutes les entreprises sont dans le SS. C'est-à-dire que toutes leurs entreprises œuvrent euh, pour, un, pour, pour une utilité sociale, en fait, et pas uniquement capitalistique, euh, et qui prennent leurs responsabilités. Euh, social, sociétal, environnemental, mais voilà, qui prennent leurs responsabilités et qui se disent, ben bah, voilà, c'est pas parce que euh, je dois faire du, du, de l'argent que je dois euh, polluer la planète. Ouais. voilà, donc ça, je pense qu'il y a un vrai intérêt là, là dedans et c'est pour ça que bah, tout le monde s'y ouais. intéresse. Merci, euh, merci Mathieu. Euh, Madame Torpos, euh, en tant que représentante de la Fondation du Crédit Agricole, en quoi vous venez euh, compenser des besoins en financement euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire Vous répondez Alors, à quels besoins euh, euh, Moi, je dirais que euh, nous avons, nous, administrateurs de la Fondation du Crédit Agricole, à une position confortable. Puisque euh, on parlait tout à l'heure des difficultés de trouver des financements, etc. Alors que nous, justement, notre cœur de métier, c'est d'accompagner, de, de donner euh, les moyens financiers nécessaires pour que les projets puissent euh, être concrétisés. Donc. Euh, on est tout à fait tranquille et, et euh, je reprends ce que tu disais. Oui. Euh, on est là pour accompagner les projets collectifs et d'ailleurs POC-POC, euh, on a fait un bout de chemin avant, avant euh, et, et on avait euh, à ce moment-là proposé euh, non seulement un accompagnement financier mais euh, un, un mécénat de compétences via la mise à disposition mm -hmm. euh, d'un webmaster pour les aider à structurer, puisque les besoins exprimés à ce moment-là par POC-POC avaient été de, de, de dynamiser leur vitrine pour qu'elle fonctionne beaucoup mieux, pour qu'elle puisse justement euh, accompagner les, entre, les, les projets et, et trouver comment mettre récolter des fonds. Donc, euh, on est vraiment... Mais moi, je, je me sens privilégiée, puisque euh, justement, on n'a pas ces tracasseries de financement. On a euh, un million euh, sur cinq ans euh, à mettre à disposition de projets, mais pour peu que ces projets soient, soient viables, soient réalistes et rentrent dans les critères d'éligibilité de, de des statuts de notre fondation. Avec un tel chiffre annoncé, vous allez être sollicité dès demain, voire ce soir. Hein. Nous, nous, nous ne demandons que ça, puisque régulièrement, je ne sais plus si je suis encore dans, dans la réponse à votre question. Oh, si, si. Mais régulièrement, euh, dans un conseil d'administration donné, on se met à étudier allez, une quinzaine de projets, euh, dont euh, seulement deux sont viables et réalistes. Euh, donc, euh, on a maintenant pris sur nous d'anticiper et de nouer contact avec euh, les porteurs de projets pour les aider à affiner et pour voir dans quelle mesure, monsieur parlait de casser les codes, dans quelle mesure on ne peut pas, euh, non pas casser les codes, mais euh, épouser les critères d'éligibilité, de, de, mmh. quitte à réorienter légèrement des fois euh, les projets initiaux. Donc euh, <laughs> la fondation du crédit agricole euh, est là. Pour Il y a de beaux mariages dans l'air, du coup. <laughs> D'autant que je, je rajouterais qu'on a un vecteur euh, qui est utilisé par excellence par les porteurs de projets. Ils sont euh, directement en accès euh, sur le site internet, okay. alors que l'on peut nouer des contacts pour euh, affiner justement les projets et ne pas se retrouver avec euh, beaucoup de projets non, mmh. non retenus. Euh, une dernière question, je vais m'adresser euh, du coup à, à, à Régis. C'est. Euh, Comment finance-t-on l'innovation sociale aujourd'hui sur, euh, sur le territoire Alors, on, on a parlé tout à l'heure de, de BPI notamment. Euh, on a aussi d'autres opérateurs type euh, Initiative, Réunion. Maintenant, s'il s'agit <coughs> principalement de l'économie sociale euh, et solidaire, c'est vrai que c'est un, une partie de l'activité qui est plus difficile à, à financer. Aujourd'hui, France Active, Réunion intervient sur de la trésorerie, sur des investissements mmh. euh, à tout stade de vie euh, pour les associations, pour les coopératives. Mais l'innovation, c'est-à-dire avant la, la, la commercialisation, euh, ça peut être euh, une chose qui, qui, qui est assez compliquée parce qu'on n'a pas encore prouvé le modèle économique dont on parlait tout à l'heure, mmh. la rentabilité. Par contre, euh, on accompagne à travers un incubateur d'innovation sociale, à travers des dispositifs d'accompagnement, euh, ces projets pour qu'ils puissent être finançables. Donc, ça, c'est tout à fait euh, possible. Euh, et on travaille effectivement avec euh, tous les partenaires, que ce soit euh, bancaires, que ce soit euh, les partenaires ici euh, présents à la table. Parce que il y a vraiment un rôle à jouer sur le renforcement des fonds propres quand on fait une demande de financement. Donc du coup, tout ce qu'on aura pu faire euh, au préalable euh, pour montrer qu'il y a un modèle économique, pour montrer que la structure était solide, euh, tout ce qu'on aura pu faire avec l'ensemble des acteurs permettra d'accéder plus facilement au financement et parfois au financement de l'innovation. Tout dépend euh, <coughs> à quel stade on en est. C'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à commercialiser ou est-ce qu'on est à l'innovation, recherche et développement. Et là. Euh, on n'a pas encore une visibilité sur, sur voilà, la rentabilité. Oui, juste pour compléter ce que tu viens de dire, nous avons des problématiques relatives, inhérentes à... Euh, au financement de l'innovation sociale sur le territoire, qui n'est pas spécifique à notre territoire et qui est une problématique même au niveau national. C'est que d'une part, on a du mal à définir ce que c'est que l'innovation sociale. On n'a pas une vision partagée, une vision commune de ce que c'est que l'innovation sociale. Et euh, deuxièmement, qui dit financement de l'innovation sociale, dit financement, comme l'a dit Frédéric Annette euh, dans, dans la première session d'échange, c'est financement du risque, financement de l'expérimentation, financement euh, du prototypage. Et on a encore du mal finalement à. à à construire des incubateurs finalement de, de, de prototypage et d'expérimentation au niveau de l'innovation, de l'innovation sociale. Mais là aussi, il y a un axe de recherche, un axe de travail. Euh, à faire évoluer la, la, là dessus. Euh, je vous remercie euh, toutes et tous, euh, eh bien, d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir partagé votre vision et d'avoir euh, nous avoir apporté ce, ces riches regards sur euh, ces thématiques de, de financement liées à l'accompagnement et la création euh, d'entreprises. Euh, je vous propose de passer à la deuxième euh, sous séquence euh, de, des échanges. <coughs> Cette deuxième sous-séquence est consacrée à la thématique des, euh, des compétences. Euh, cette web-tv spécifique à l'économie sociale et solidaire a pour objectif de co-construire de la connaissance. à à travers des, le, le croisement des regards, mais également de diffuser de la connaissance. Et la connaissance, elle vient pas uniquement de l'université de la Réunion, mais elle vient aussi du, du territoire. Et il s'agit aussi de connaître les, les figures, les visages, les entreprises exemplaires de l'économie sociale et solidaire qui font, refont, défont, et bien, ce champ euh, au, au quotidien. Et je vous propose de découvrir une coopérative, Vivea, et son dirigeant, qui est Monsieur Avril, à travers un petit reportage. nous avons fait le plaisir de nous rejoindre autour de cette table. eh bien, euh, cyril euh, Konradi, qui est chargé de mission au, au krajep. Euh, justin Autré qui est euh, gérant de la SCOP euh, qui était gérant, qui était gérant euh, de la scop domotil. Euh, madame osna Jafarji, qui est la directrice de la maison des parents de, de l'océan indien, et sont restés avec nous. eh bien, gilles boisat, de, de Coop union et euh, Mathieu Fontaine euh, de PocPoc. -Poc. Donc cette euh, deuxième sous-session euh, d'échange de notre... Euh Deuxième moment de, 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 de débat porte sur les, les, les compétences. Les fervents défenseurs, les puristes de l'économie sociale et solidaire nous disent que eh l'avenir, c'est l'économie, ce sont les entreprises qui relèvent de, de, de ce champ afin de participer au développement socio-économique de, de notre territoire. Et donc on attribue euh, un certain nombre, un grand nombre d'ambitions à euh, ce champ. Ces ambitions sont à deux niveaux. Nous l'avons vu tout à l'heure avec Marie-Joëlle Rossel de de la région qui nous disait qu'il y a des filières, il y a de l'innovation qui sont attribuées à des attentes de développement qui sont attribuées au champ de l'économie sociale et solidaire. Et de l'autre côté, comme nous venons de le voir avec, avec monsieur Jean-Pierre Avril, eh bien les entreprises de l'ESS ont également de l'ambition en termes de développement et de, et de changement d'échelle. Et depuis le début, on s'est questionné euh, lors, lors des premiers échanges sur euh, avons-nous les moyens de nos ambitions, en termes notamment de formation, de compétences. Et euh, c'est la raison pour laquelle je me, je me tourne vers vous euh, qui euh, pratiquez au, au quotidien, qui accompagnez eh bien, euh, les porteurs de projets, vous qui êtes dirigeants. Euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, vous qui structurez dans des têtes de réseau, eh c'est un nombre d'associations relevant notamment de l'éducation populaire. Quelles sont euh, ces compétences que vous identifiez au quotidien qui permettraient eh euh, d'aboutir à ces ambitions territoriales, mais également au sein des, des structures La parole est libre. <laughs> Vas-y, juste là. Eh ben, écoutez, oui. Donc, euh, bah, les compétences, il euh, n'y a pas de compétences qui soient spécifiques à l'ESS, euh, puisqu'en fait, n'importe qui, euh, en tant que salarié, peut, peut rentrer dans une, une entreprise de l'ESS. Euh, les compétences qu'on a, ce sont les mêmes que n'importe quelle entreprise enfin en tout cas je parle pour la mienne, hein. euh, on a deux ingénieurs qui sont des ingénieurs généralistes, on a des techniciens qui sont des techniciens, euh, tout ce qu'il y a de, de plus commun. Euh, <laughs> Excusez-moi, quoi dire euh, au-delà de ça fin, euh, Les compétences, en fait, ça, la grosse différence entre euh, nos structures et des plus grosses structures, donc, qui sont rarement dans, dans le SS quelques exceptions, euh, c'est qu'en fait les compétences, on les acquiert au jour le jour et on les acquiert surtout par un travail d'équipe et un feedback puisqu'on est tous, euh, bah, tous responsables de l'entreprise, euh, que ce soit le plus petit technicien ou, euh, ou le gérant, comme j'ai pu l'être à une époque. Et, euh, et oui, voilà, c'est des compétences qu'on se passe les uns et les autres peut-être beaucoup plus facilement que dans une entreprise classique, puisque le but est vraiment de faire progresser la société et non pas de, de progresser soi-même, euh, enfin de, de, de monter euh, d'échelle en échelle et de garder l'information pour soi. On a peut-être plus tendance à, à partager l'information dans l'ESS. Juste là, je te remercie, puisque tu viens de me mettre au chômage, <laughs> dans la mesure où je suis responsable pédagogique de, de formation spécifique à l'économie sociale et, 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 et solidaire. Mais, mais j'apporterai un, un, un complément d'information. Euh, quand on est dirigeant de l'économie sociale et solidaire, il y a deux portes d'entrée. On, euh, on est dirigeant. Donc euh, les techniques de gestion euh, relatives à l'économie sociale et solidaire ne sont pas propres, peuvent ne pas être propres et spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Et il n'y a pas d'exclusivité sur des techniques de gestion. Donc on peut euh, rapporter, apporter des techniques de gestion qui proviennent d'autres entreprises, notamment commerciales et, 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 et traditionnelles du canal historique. Euh, entre guillemets, mais il y a des spécificités qui relèvent de, de, de l'économie sociale et solidaire, comme cette gouvernance démocratique, euh, cette recherche de performance plus globale que de performance rentable, euh, on peut parler également de, de marketing social, par exemple. Donc il y a certaines spécificités comme ça qui relèvent euh, du champ de, 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 de l'économie sociale et solidaire et qui justifient du coup mon poste. <laughs> Je peux juste revendiquer euh, je pense que tout dépend également de la structuration de l'entreprise de, de ESS. Euh, je parle pour ma part étant dans une association, donc avec euh, un conseil d'administration euh, qu qui compte uniquement des bénévoles, pour le coup, donc des présidents qui ont eux leur fonction. Euh, euh, à titre privé. Donc, dans notre cas, c'est plus dans le milieu hospitalier et qui, eux, ne sont pas spécialistes de la gestion de la structure en elle-même. Mmh. Donc, euh, ils, on part du principe que ce sont des bénévoles qui ont une cause commune et qui veulent avancer ensemble. Donc, ils n'ont pas forcément de compétences particulières en gestion d'une association. D'où la nécessité de euh, professionnaliser certaines fonctions pour que euh, cette, cette structure puisse être pérenne et puis euh, bah porter des projets face aux financeurs avec finalement un dossier euh, solide euh, pour, pour pouvoir les convaincre et non pas rester uniquement sur du bénévolat euh, puisque c'est du temps qu'on donne à titre euh, gratuit mais ce n'est pas le cœur de métier du, euh, du bénévole. Merci pour ces éléments de, 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 de précision. Je me retourne vers, vers Cyril qui est représentant d'une un, tête de réseau qui fédère un certain nombre d'associations, qui portent également des projets. Euh, compte tenu de, 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 de ces missions de fédération, d'accompagnement, de renforcement des, des, des structures que vous représentez, euh, quelles sont aujourd'hui les, les compétences qui sont nécessaires pour que ces associations puissent développer des modèles économiques ou financiers qui soient plus pérennes Alors, effectivement, là, moi, mon intervention, elle va être sur un équilibre de compétences. On va aller sur un équilibre de compétences techniques, pour, et je reviens tout de suite sur effectivement, on a beaucoup de bénévoles qui souhaitent s'engager, etc., etc. Mais il y a la compétence de l'émancipation de la personne, c'est que pour nous, en tout cas dans, dans notre milieu d'éducation populaire, c'est vraiment euh, notre axe principal, c'est euh, on, on accompagne le bénévole à devenir adulte à devenir euh, indépendant, à s'émanciper, et je pense que c'est de là que en fait on a un équilibre hyper intéressant dans l'ESS. C'est qu'on on s'engage dans l'ESS quand on est émancipé en tant qu'adulte, en tant que bénévole, et qu'on du coup on développe des compétences plutôt techniques pour faire rentrer justement notre structure dans l'ESS en tant que telle. Et je pense que c'est là que nous on, on souhaite vraiment travailler. C'est sur cet équilibre euh, entre les deux. Et, euh, après, sur, sur les compétences euh, informelles, mm. je trouve qu'on on oublie vraiment régulièrement ces compétences informelles où un bénévole va s'engager dans une association lambda et au fil du temps, euh, il va vivre des conseils d'administration, il va vivre euh, une implication dans une association. Et si on réfléchit à cette formation informelle, finalement, mm. on va pouvoir valoriser des compétences euh, informelles qui est nécessairement, comment dire, importante quand on va aller postuler sur d'autres euh, emplois. Et je trouve qu'on est un peu en retard par rapport à ça ici en France. Euh, on voit d'autres pays qui, qui le, mettent, euh, le mettent vraiment en avant, les compétences informelles. Ils encouragent les étudiants à aller euh, à droite, à gauche dans le monde pour apprendre la, la vie et, et à grandir. Mais toutes les parties aussi, service civique, volontariat à service civique, ou toutes les parties, on oublie clairement de mettre en avant en fait, ces, ces compétences-là. Merci euh, Cyril. Euh, je me retourne vers nos... Nos acteurs de, de, de l'accompagnement, euh, on a des porteurs de projets, des personnes qui souhaitent créer leur entreprise en, é, en économie sociale et, et, et solidaire. Est-ce qu'il y, y, y a des lacunes de, de compétences ou certaines compétences qui sont spécifiques à l'ESS qu'il faudrait à ce moment-là valoriser Alors, je, par, je rapport juste... ouais. Alors, par rapport au schéma de la création d'entreprise Par rapport au schéma de la création d'entreprise, je vais juste euh, <laughs> repositionner un petit truc. Qu'est-ce qu'on entend par l'économie sociale et solidaire euh, Moi, je parlerais plutôt de l'innovation. Parce que l'économie sociale et solidaire, les structures classiques qui sont l'économie sociale et solidaire, historique, eux, ça fait longtemps qu'ils sont rodés dans leur organisation. Qu'est-ce que, la, je reprends le terme que j'ai pris tout à l'heure, parce qu'on est en train de casser des codes. d'accord, Des codes de l'économie classique, des codes de, de fonctionnement, les codes mentaux des gens. Je rappelle juste que la, la société a évolué en 30 ans, on faisait carrière, aujourd'hui on cherche des gens en mission. Et donc cette économie, cette économie sociale et solidaire n'est pas arrivée au hasard, elle est arrivée face à des chocs, à des manques, qui sont demandés. Et le premier élément, c'est le changement de comportement, hein, que ce soit porteur de projet ou pas. Euh, aujourd'hui, moi, je suis face à une situation, euh, quand on parle d'entreprendre, j'aurais plutôt tendance à revenir d'abord à, à apprendre à être autonome, parce qu'entreprendre, c'est bien plus compliqué. D'accord Parce que c'est. Voilà, aujourd'hui, on pousse par exemple à l'entrepreneuriat, mais. Hein, <laughs> Très peu de gens sont entrepreneurs. Nous, on en voit 300 ou 400 par par an. Euh, S'il y en a moins de 10 là-dedans qui sont réellement dans un esprit entrepreneur, on a tout à une reprise dans la psychologie comportementale, mmh. d'accord euh, Qu'est-ce que c'est que d'être autonome Comment je casse les codes justement Parce qu'on est dans une société où on nous bourre les codes. On nous a mis beaucoup de codes dans la tête, d'accord Quand on vient, bah là, je cherche un travail. Bon, les parents, les ont éduqué de cette manière-là, ce, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils viennent d'un modèle. Donc le modèle est en train d'être cassé, évolué, va être moins violent, et évolué. Et, euh, et donc moi, je, nous, on est confondus à ça, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que, par exemple, on fait des ateliers autour de la psychologie comportementale. Hein, voilà. Et ça me paraît, ça me paraît l'élément fondateur, en fait, toute la difficulté. Par exemple, je vous donne un exemple très simple au sein de la coopérative. Je cherche des managers, euh, entrepreneurs salariés, je même pas, je parle pas d'entrepreneurs, je parle de manager. Euh, on a dû faire des, des, des formations spécifiques pour comprendre ce que c'est que le modèle horizontal, euh, qu'est-ce que c'est que le troc, euh, est-ce que je peux, tout ce que je peux faire, imaginer, je me pose, j'enlève tous les freins qui, qui sont dans ma tête, parce que. On vous demande aujourd'hui d'être complètement ouvert vers le monde, d'aller regarder ce qui se passe au Bangladesh, euh, des projets qui ont été mis en place, etc. C'est ça. Les, ben pour moi, l'économie sociale et solidaire hein, dans, dans la question qui est posée de compétence, mmh, mmh. c'est ce changement de paradigme mmh. qui est en train de se passer. Et c'est difficile pour les gens, pour les voir au quotidien. C'est extrêmement difficile parce qu'on est en train de les changer eux-mêmes en fait. Voilà. Basile, mmh, rebondi, parce que je suis assez d'accord avec, euh, avec tout ce qui vient d'être dit. Donc pour essayer de compléter un peu euh, et pas tout détruire euh, donc en fait effectivement euh, une société classique par rapport à nous on est en scope, donc c'est une société on est là pour faire de l'argent euh, avant tout, avant d'être là pour faire de l'argent on, on est là pour créer de la richesse et donc, euh, faire notre métier, dire, satisfaire les clients, mais aussi satisfaire les salariés. Et, euh, et la grosse différence, pour une entreprise classique, normalement, vous faites une école de commerce, euh, on vous apprend, bah, ok, gérer, c'est ça, etc. Vous, vous prenez les fonds ici, voilà, vous faites comme ceci, comme cela, vous allez gagner temps, euh, vous avez un turnover, un retour sur investissement, etc., etc. Au bout de 15 ans, si, euh, si tout va bien, bah, voilà, vous êtes multimillionnaire et tout va bien. Et effectivement, nous, euh, le, le truc, c'est que le, le fond de, euh, de la question, en fait, notre entreprise, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Donc une formation classique d'école de commerce, etc., ça ne pourra pas marcher pour, euh, pour, pour faire de l'ESS. Puisqu'on n'est pas là pour faire de l'argent, on, on est là pour créer de la richesse. Et, euh, et la richesse, euh, bah en fait, je pense, est-ce qu'il y a des formations qui, euh, qui existent aujourd'hui Alors peut-être que vous en faites des merveilleuses, mais moi, je n'en connais pas. Je pense que c'est vraiment euh, à chaque société, euh, de, à chaque société ou association, etc., de, euh, de voir comment faire évoluer justement ce, ce nouveau système. Mm. Et, euh, et moi, je vois au sein de la nôtre, on se pose la question tous les jours pour essayer de garder les, les gens motivés, etc., sachant qu'on ne va pas les motiver par l'argent. Sachant qu'on va les motiver en leur disant bah, est-ce que tu veux faire un boulot plus intéressant Est-ce que ce que tu veux faire, ça correspond à une évolution de l'entreprise? Et en fait, c'est donner l'envie à tout le monde de faire progresser euh, l'entreprise. Merci, merci Juste là. Mathieu Oui, juste pour, pour préciser, enfin pour dire que je rejoins beaucoup euh, ce que disait Gilles. Euh, sur cette nouvelle économie de l'ESS, peut-être on peut appeler ça comme ça, <laughs> et euh, où effectivement euh, les compétences un, un, un peu nouvelles qui émergent, ça correspond en fait à comment être ensemble et comment faire les choses ensemble. Euh, C'est-à-dire que bah, finalement, dans le modèle euh, associatif ou en tout cas des structures de l'ESS, euh, l'enjeu c'est comment faire pour embarquer tout le monde dans une dynamique et comment créer un collectif et comment créer une équipe et que tout le monde contribue, tout le monde participe. Donc, on entend beaucoup parler de la gouvernance partagée. Okay. Euh, bah, ça, c'est des compétences assez pointues, assez techniques euh, où ce n'est pas évident en fait, de, 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 de l'appliquer en fait, dans, dans, dans la structure parce que ça, ça demande de casser les codes, ça demande de changer de, de point de vue, de, de changer de paradigme, etc. Euh, pour que, bah, au final, on on Comprenne en fait ces, ces, ces nouveaux modes de fonctionnement et de gouvernance où, euh, où c'est plus horizontal euh, et où tout le monde a son mot à dire, mais par contre bah, il faut que tout le monde euh, soit conscient de son temps de parole, que tout le monde euh, soit bienveillant, etc. Donc ça, ça demande en fait un, un, un changement de fonctionnement. Par exemple, juste donner un exemple concret, aujourd'hui une association, quand on crée une association, on la crée avec. Un président, un trésorier, un secrétaire, un bureau, un CA. Parce que quand on regarde n'importe quel statut sur Internet, c'est comme ça qu'on nous le propose. Mais ça, c'est le modèle un peu euh, classique de l'économie traditionnelle qui nous euh, impose un peu ça. Alors qu'en fait, dans la loi 1901, rien n'oblige d'avoir tous ces éléments-là. Donc on peut créer une association avec juste deux représentants et, euh, et tout le monde est au même niveau, etc. Donc il n'y a pas de CA, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de président. Donc voilà, donc c'est possible en fait le, le, dans l'ADN de, de l'économie sociale et solidaire, il est possible de faire autrement. Et ça nécessite d'avoir ces compétences là euh, et ces connaissances là. Oui, oui, si je peux me permettre, il y a juste un mot qu'on est en train de combattre, ça s'appelle l'ego. Et, euh, et l'économie sociale et solidaire, c'est pour le grand ennemi aujourd'hui. C'est ce, ce mot-là. Moi, je le vois au quotidien, euh, parce qu'on est en train de parler de partage, effectivement, de tout ça. Et, et c'est pour ça que voilà, le, le vrai, le vrai combat central, hein, le point central, c'est celui-là. En fait, dans dans l'économie sociale et solidaire, la place du savoir-être est très importante. Même si on a un savoir-faire ou autre, je pense que la place du savoir-être. Euh, et euh, cet esprit collégial est, euh, est très important et, euh, et, à, et à développer entre, entre les membres euh, d'une structure de, de l'économie sociale et solidaire. Merci. Alors, de, 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 de par votre, vos, vos contributions, il y a un certain nombre d'enseignements euh, qui, euh, qui, qui, qui me marquent finalement. C'est euh, casser les codes, euh, chose très importante, c'est également faire autrement. Et finalement, ce qui ressort des échanges, c'est qu'il euh, y a des compétences informelles. Euh, des compétences informelles à, à deux niveaux. Compétences informelles au niveau des soft skills, du savoir-être, euh, certaines capacités qui, qui sont personnelles euh, à, à des individus. Et il y a aussi ces compétences informelles, euh, peut-être collectives, mais qui sont liées à un apprentissage, comme tu le disais tout à l'heure Cyril, à du faire. Finalement, et on ne théorise pas finalement, est, et tant mieux peut-être, euh, ces, euh, ces compétences informelles, mais qu'on qu doit euh, bien, évidemment, euh, bien évidemment reconnaître. Partant de là, étant donné qu'en économie sociale et solidaire, on fait autrement, on a des compétences qui sont peut-être euh, autres, euh, il s'agit quand même de, de transférer, de reconnaître, de développer ces compétences qui sont différentes. Et au regard de, de, de votre positionnement, tu parlais du coup de, 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 de formation idéale, nous savons tous comment fonctionnent des formations, notamment à l'université, on part en classe, on formalise les compétences, on théorise les, les compétences, et au regard des spécificités dont on a besoin l'économie sociale et solidaire, comment envisageriez-vous finalement ces nouveaux modèles d'apprentissage, d'écosystème, de, de, de développement et de montée en compétences est-ce qu'il y a quelque chose d'idéal qui vous euh, qui vous viendrait à l'esprit Je travaille dessus, donc du coup, c'est une question un peu facile. Je vous ai dit, on est, par exemple, là, j'ai mis un atelier d'une semaine. Je parlais de Lego tout à l'heure. En fait, le travail de fond, il est là. En fait, le travail de fond, c'est que quand on dit casser les codes, c'est pas d'enfermer dans un modèle. Jusqu'à maintenant, je rappelle que les écoles nous forment un modèle. D'accord Vous êtes comme ça, ça se fait comme ça, etc. Sauf que quand ils arrivent dehors. Ben ces jeunes, ils ont envie d'autre chose déjà, hein, je rappelle. Euh, là, je, je viens de faire un voyage au Népal, je croisais plein de jeunes dans des dans dans, 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 dans volontaires, etc. Euh, ils sont en train de demander, ils réclament autre chose. Mais c'est encore un, un groupe de jeunes, c'est une part de jeunes, sauf que l'économie sociale, cest à vont plus vite que finalement dans les besoins. Voilà. Donc mon point de vue aujourd'hui, il y a tout un travail en profondeur, non pas sur des techniques mais sur, un sur le savoir être justement ce, ce comportement parce que c'est difficile moi je le vois tous les jours hein. euh, pourtant ils arrivent à la coopérative hein. c'est des gens qui viennent volontaires malgré tout le poids de, 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 des, des, des freins des peurs des, des difficultés qu'ils ont euh, freinent énormément euh, le développement de la coopérative par exemple aujourd'hui ce que je disais à un donné, on est obligé de prendre la main sur certains de nos projets en attendant qu'ils soient capables de vous voyez ce que je veux dire On en est là oui, aujourd'hui. On n'a pas forcément ces compétences. Ils sont capables de raisonner différemment dans une économie horizontale, de réfléchir. Tout de suite, le réflexe est Oui, mais moi, la concurrence, oui, mais lui, hop, les vieux réflexes reviennent. Dès qu'on met un collectif autour de la table, c'est compliqué. Donc on est obligé de mettre un peu d'ordre, du coup, à mélanger un peu l'horizontal et le vertical, d'accord, pour pouvoir faire tenir et avancer, parce qu'il y a l'économique quand même au bout, qu'il faut que chacun gagne sa vie, en fait. Voilà un petit Oui, c'est -ce je, je, je voudrais. Répondre à ta question dans, dans un sens où on se concentre sur la formation en fait du jeune sur euh, comment monter ton entreprise, comment t'impliquer dans ton entreprise, etc., etc., Et je pense que l'avenir va passer aussi sur la formation des cadres, la formation des mmh. des, des intermédiaires en fait qui reconnaissent la place de l'humain dans le mmh. parce qu'on est aussi dépendant de ces pouvoirs publics qui doivent ils ont une responsabilité de financement et de cofinancement et d'encouragement à l'ESS, mmh. mais pour, pour ça, il faut passer par la confiance et par la formation de ces cadres-là qui reconnaissent la place de l'humain dans l'ESS. Parce que c'est beau d'expliquer de, à des jeunes, effectivement, dans un avion euh, que, que, que tu as rencontré, et ils vont arriver ici en France, et on va leur dire, euh, bah non, en fait, on n'a pas confiance en toi, euh, va faire 10 ans encore, et puis quand tu arriveras à 40 ans, ben bah là, on, on, on pensera peut-être à t'appeler pour peut-être monter ton entreprise. Non, je pense qu'il faut aussi... Euh, aller sur la formation d'un point de vue global, que ça touche vraiment l'ensemble de toutes les formations et pas uniquement axé sur l'entrepreneuriat. Merci. Euh, un, un petit mot de conclusion sur cette, euh, cette thématique de la compétence. Finalement, les, le taux de table et les échanges que nous avons eus euh, nous rassurent, euh, puisque euh, le nerf de la guerre, c'est euh, les sous. Le financement, mais ce sont aussi les compétences. Et nous portons une réflexion partenariale à l'université en économie sociale et solidaire. Nous portons une réflexion partenariale sur la montée en compétences et le développement, et eh bien, des, euh, développement des formations. On a la licence professionnels, gestion des organisations de l'économie sociale et, et solidaire. Et euh, tu parlais de formation, Cyril, des, des dirigeants. Nous avons également réfléchi au développement du premier master économie sociale et solidaire euh, sur notre territoire. Nous le lançons, l'université le lance euh, à, la, à la rentrée. Et de manière partenariale, eh bien, euh, nous avons réfléchi sur ces nouvelles compétences et euh, de nouvelles méthodes pédagogiques. Un peu alternatif pour développer, eh bien, ces, ces compétences qui sont peut-être spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Et tout ce que nous venons d'entendre là, ce soir et aujourd'hui, viennent corroborer le développement des soft skills, par exemple, capacités personnelles, viennent intelligence collective, viennent développer, viennent corroborer les éléments d'enseignement que nous avons intégrés à la fois en termes de forme et de fond au sein de ce, de ce master économie sociale et solidaire, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, eh un cursus complet de la licence au doctorat en passant par le, la formation des dirigeants et ce, ce master économie sociale et solidaire. Euh, je vous remercie euh, pour ces riches échanges et euh, pour euh, avoir répondu présent euh, à notre invitation. Merci beaucoup. Euh, je vous propose, parce que comme toutes choses, euh, toutes bonnes choses ont une fin, je vous propose de passer à la dernière séquence qui est celle de la clôture et la conclusion euh, de euh, notre émission euh, spéciale financement euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous souhaitions parler des perspectives de développement dans le cadre de la conclusion de notre euh, émission consacré au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais avant de passer à cette perspectives de, de, de développement, je souhaiterais transmettre un remerciement tout particulier à l'association Les Palettes de Marguerite. Pour ceux qui nous sont fidèles, c'est la deuxième fois que les Palettes de, de Marguerite nous équipent en nous mettant à disposition leurs leur meubles confectionnés au sein de leur atelier. Et il nous semblait important eh bien, de les remercier notamment en euh, leur consacrant un, un petit reportage que je vous invite à, à visionner. J'ai invité Frédéric Annette, administrateur de la CRESS, à me rejoindre pour euh, clôturer ce moment euh, d'échange. Euh, CRESS, qui est le, le partenaire historique, euh, même si ça ne fait pas longtemps qu'on l'a lancé, eh bien, de cette Web TV spéciale économie sociale et solidaire, Web TV universitaire. Euh, et cette Web TV euh, a pour objectif de développer de la connaissance, bien évidemment, et de diffuser de la connaissance, mais on s'inscrit. Moi, en tant que maître de conférence, je suis de section 06 et pour ceux qui ne maîtrisent pas cette technique, eh bien 06, c'est sciences de gestion dans le domaine universitaire et la science de gestion, c'est une science eh bien, applicable et appliquée rapidement auprès des entreprises et sur le territoire. Et du coup, le, le développement scientifique de, de, de cette web-tv a aussi pour objectif eh bien, de euh, construire des, euh, des connaissances qui vont être applicables ensuite à travers des dispositifs, à travers des actions, de la recherche-action, ensuite sur le territoire. Et on ne pouvait pas conclure cette, euh, cette émission, notamment sur la thématique aussi importante qu'est euh, le financement des entreprises, sans envisager une, une suite. D'ores et déjà, avant d'envisager le, le, le futur, il est intéressant, et eh bien, de, de donner quelques éléments de conclusion au regard de, de, de ce qui a été dit. Je, je vais lancer quelques idées. Tu pourras, je parle sous ton couvert, et tu pourras également compléter si, si, si besoin. Euh, J'identifie deux axes. Euh, le premier axe, c'est quoi faire euh, Quoi faire Je jette quelques idées une euh, meilleure connaissance des dispositifs coordonner les dispositifs, euh, travailler, comme tu le disais au tout début, peut-être un cursus, un parcours euh, concernant le, le, le dispo, les dispositifs de, de, de financement pour une meilleure connaissance, travailler une cartographie un peu plus, euh, un peu plus lisible. Comme l'ont dit un certain nombre euh, d'acteurs, c'est renforcer peut-être des dispositifs d'accompagnement et de financement sur le territoire, en ramener d'autres en fonction des différents besoins euh, des entreprises de l'ESS et en fonction de leur, leurs différentes étapes de, de, de développement. Monter en compétences, on vient de le voir, monter en compétences sur les modèles économiques, mais des compétences qui sont spécifiques au changement d'échelle des entreprises de, de l'économie sociale et solidaire et spécifiques à, 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 à ce fonctionnement. Euh, mutualiser. Les expertises, les expertises financières. Euh, la plateforme euh, mettait en évidence les soucis pour euh, activer des fonds relevant de, de, de financement européen. Il y a peut-être des axes de mutualisation euh, à travailler là-dessus. Être sur des perceptions peut-être un peu plus globales de ce que pourrait être le financement. Nous avons vu que la plateforme euh, échangeait. Euh, un service contre la mise à disposition gratuite euh, d'un local. Euh, nous avons vu qu'il y a aussi le mécénat de compétences donc euh, élargir le spectre de, du, du, du financement. Euh, tu as peut-être identifié d'autres euh, axes d'intervention? Il euh, dirait que je vais je vais être sur la partie un petit peu formation compétences qui, oui. qui a un petit peu clôturé aussi euh, les différentes séquences c'est que s'il devrait qualifier et résumer en deux lignes ce que j'ai entendu, il dirait la première chose que j'ai entendue, c'est manager les équilibres. Les équilibres entre l'économique et le social, entre le vertical et l'horizontal, entre les enjeux de responsabilité et les actions de terrain, entre différents types de financement privé et public, et ça demande forcément à développer des compétences un petit peu transversales. Et ménager ces équilibres, c'est déjà, euh, voilà, on parle de compétences spécifiques, c'est déjà un enjeu en soi. La deuxième chose, c'est le sens. Euh, tous les témoignages ont évoqué cette question de créer de la richesse, de travailler sur euh, les comportements, les savoir-être, euh, échanger nos codes. On a parlé, on, voilà, l'expression casser les codes est revenue à plusieurs reprises. Et euh, l'idée, c'est euh, aussi de voir comment on peut manager les sens euh, donc, euh, voilà, de l'action, des projets. Du futur et comment on l'intègre au quotidien, dans l'opérationnel, euh, dans nos entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Merci, merci Frédéric. Il est important aussi de, de souligner, pour euh, également corroborer et compléter ton intervention sur la, la formation et la montée en compétences, que le master dont je parlais, la licence également, et, et travailler de manière partenariale avec la CRES et les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour être au plus près des besoins euh, en compétences. Deuxièmement, deuxième axe de, de conclusion, c'est quoi faire, mais c'est surtout comment faire. Et on a vu que l'économie sociale et solidaire, c'est entreprendre différemment et c'est entreprendre collectivement. Mais euh, pour reprendre un terme qui était qui, qui relativement cher, euh, ça, c'est au niveau micro, mais également au niveau méso, c'est-à-dire au niveau territorial. Il s'agit également d'élever cette façon de fonctionner et d'entreprendre, ou d'intraprendre, et eh bien euh, également à, à ce niveau stratégique. Donc, comme on a eu l'occasion de le faire aujourd'hui. L'objectif, c'était de mettre tous les acteurs du financement macro, méso, micro, autour de la table, de manière à, à, à croiser les regards et ensuite à peut-être créer de nouvelles dynamiques, à trouver des, des, des solutions au regard des besoins et des problématiques qui ont pu être abordées ce jour. L'objectif, c'est qu'après ce, ce premier travail, on puisse continuer ces échanges, on puisse continuer eh bien, la recherche de la construction de nouvelles dynamiques de manière à répondre aux nouveaux, euh, besoins non couverts peut-être des entreprises de, de l'économie sociale et solidaire. J'ai une proposition au nom de, de l'université, euh, c'est que nous puissions travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs qui, qui étaient là aujourd'hui, pourquoi pas euh, lancer de manière annuelle une conférence euh, type Grenelle où on travaillerait euh, véritablement, ce ne sont pas des conférences, juste on prendrait la parole pour expliciter donner des, des conclusions des études ou des recherches, mais qu'on puisse mener des conférences euh, régionales ou territoriales de, du financement euh, de, du champ de l'économie des entreprises relevant du champ de l'économie sociale et solidaire de manière à continuer ces échanges et à travailler peut-être des sources, des solutions de financement euh, sur, euh, sur le territoire c'est un lancement que, 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 que je fais, une idée que, que que je lance à voir comment cela est, est récupéré euh, par l'ensemble des acteurs qui étaient là au, au, aujourd'hui sur sur le territoire. Euh, euh, plutôt les acteurs du territoire présents aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je ne sais pas comment toi tu tu chopes cette balle au bon. Mais euh... dans la logique, c'est que euh, notre a de posture et de d'agir local pour impacter global. Voilà, pour faire simple. Et pour y arriver, euh, on réfléchit sérieusement avec euh, bah, nos familles euh, de l'économie sociale, le mouvement qu'on représente, mais aussi nos partenaires, et notamment la Fédération des banques euh, représentée par M. Urbain. On réfléchit vraiment à mener des actions territoriales dans ce sens, sur les questions de financement, et euh, à faire en sorte d'aller au plus près des acteurs. Pour être en cohérence avec cette proposition que tu fais d'avoir un temps fort et, et jouer sur l'aspect un petit peu réseau, interconnexion des différents dispositifs, acteurs et, et actions qui peuvent être menées pour renforcer bah voilà, la dynamique de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Merci. Donc, rendez-vous est pris. Euh, ben, je propose qu'on finisse sur cette touche d'espoir et cette touche positive. je souhaiterais remercier l'ensemble des personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation aujourd'hui et euh, il y a énormément de riches enseignements qui sont ressortis de ces, de ces échanges et de cette participation. je souhaiterais remercier l'ensemble des personnes qui euh, nous ont rejoints dans, dans le public et qui nous ont suivis de l'autre côté de, de l'écran. Et euh, surtout, un grand merci euh, à toutes les équipes de l'Université de la Réunion euh, qui sont en back-office, du coup, et qui ont permis euh, de réaliser euh, de manière euh, efficace et performante cette, euh, cette belle émission. Merci également aux partenaires historiques de, de la CRES pour leur euh, implication. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la nouvelle émission de notre web tv universitaire économie sociale et solidaire et je vous transmets mes salutations solidaires. Merci bien.